Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la pour ce nouvel épisode de Borderlands GOTY Enhanced. Je sais pas comment que ça se dit toujours hein. On va aller continuer, donc on a quelques quêtes secondaires à aller faire dans la région qu'on a fait dans la mission précédente. On a toujours pas de stuff, je sais pas si on peut passer, si on peut passer. Salut le Skag, je vois pas mais... Ok. Alors que je m'améliore un petit peu au niveau de ces armes. Vous voyez que ça prend énormément de place quand on les a en plein milieu de l'écran. Il faudra peut-être que je revoie le FOV, peut-être. On verra. Vu que c'est maintenant faisable, tout simplement. Hein. Autant en profiter. Checkpoint. On va récupérer la jambe de Tikeba. Et tuer Scar. Ce serait peut-être pas mal. Il va nous dire, pars très loin et ne reviens jamais. Alors ces mines-là ne sont pas les bonnes, c'est pas celles qui m'intéressent. Si, non plus. Très bien, au revoir. Ouh. Qu'est-ce qu'ils font là? Trouver deux enregistreurs supplémentaires dans ce cas. Quoi? Rendu? Ok. C'est pas flippant. Ouais mais du coup j'ai plus la bonne quête qui est prête. Donc là il faut que j'aille là-bas. Ok. Là il faut que j'aille au fond là-haut, donc autant y aller tout de suite. Et là il faut que j'aille à gauche. Ok, donc pour l'instant je pourrais commencer par aller là, donc ça veut dire faire tout ça et aller là. Et ensuite on pourra aller par là. C'est parti. Pas besoin d'un sniper pour le moment. Au suivant. Raté. Je me suis trompé de bouton. C'est quoi CV? D'accord. Ah ils sont nombreux d'un coup. Bon mon bouclier s'est rechargé. Très bien comme ça. Salut! Appelez. Il récupère. Bon, je suis plein, donc pas de raison de les récupérer. Très bien! V est peut-être un petit peu loin pour du cac. V est peut-être un petit peu loin pour du cac. Je vais essayer de la mettre un peu plus proche. On va la mettre sur ça. Corps à corps est peut-être déjà passé, non? Je ne sais plus. Choisir arme, attaque de mêlée. On va la mettre sur halt alors. Plus rapide. Ok. Salut! On peut passer en passant par là? Genre là, si je fais. Ah! Ah! On peut passer. Ah! Non? Oui? Non? Si? Break? Break? Break progresse, break. Break ne peut pas progresser comme ça. Très bien! Bon, de toute façon, on peut estimer que les murs invisibles vont disparaître à l'avenir pour la simple et bonne raison que le fait qu'il y ait des. L'espèce de. Vous savez, là, comment? La gravité amoindrie. Dans. De pré-séquelle. Au suivant. D'accord. Je suis coincé par quoi? Je suis coincé par quelque chose. Je ne peux plus bouger. Ah d'accord, il y a la commande qui s'est ouverte. Très bien. Alors, il y a une... je savais même pas qu'il y avait une console commande dans le jeu. C'est cool. Si tu veux, tu peux tricher dans le jeu.
Pourquoi pas. Je ne savais pas. J'ai presque plus de balles dans ce truc. Vivement qu'on ait 4 armes. C'est moi qui vous le dis. Putain de sale bête. Pourquoi encore je suis coincé? Je ne peux pas reculer. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que c'est marqué ici ou pas? Pourquoi il est passé en QWERTY? Mais non! Voilà, ça devrait être mieux. Ah, c'est parce que j'ai dû vouloir sprinter et... Ah! Il y avait un nourricier! Allez, viens, ramène-toi! Ramène-toi! Bouh. Ok, très bien, ça s'est plutôt bien passé. On traverse le pont de pierre. Pardon, non, on tue quelques skags d'abord. C'est bon? Vous êtes calmés? Alors je traverse. Salut les filles. Ah, la zone de... Hein? Elle est pas terrible, terrible. Putain, mais... Putain de... Comment qu'elle s'ouvre la console? Parce que là, j'ai l'impression qu'il suffit que j'appuie sur une touche. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Très bien. Bon, bah écoute, vendu. Il est le suivant. Ok, vous êtes tous calmés, c'est bon? Ça va saigner! Bon, très bien. Mais... Ta gueule! Hop. Bon bah les amis, j'ai pas trouvé pourquoi ça engage la console commande, mais bon. Ah bah cool, j'ai obtenu un des deux. Juste ce qu'il me fallait. Fusil à pompe. Et un fusil d'assaut. Projectile tiré plus 2. Hein. Bah voilà. Très bien. Est-ce que c'était là qu'il fallait que j'aille depuis le début ou pas? Ok, on est bon, j'ai l'impression. Là, du coup, il faut aller là-bas. Et là. Pardon. Vous voulez aller trop vite. Puis d'aller là. On va commencer par aller par là. Hop là. On sait que si on va dans le fond, on va tomber sur... genre la jambe ou n'importe quoi. Autant y aller. Ah, c'est pas un fusil d'assaut. Je vais les finir à la main. Waouh. Je suis déjà à court. Il sort d'où lui? J'avais complètement oublié ces skags là, moi. Il veut pas mourir, hein. Alors j'ai l'impression que l'autre fusil que j'ai est un fusil de sniper à rafale. Je l'ai pris pour un fusil à pompe. My bad. Donc on va faire encore plus gaffe. La musique est extrêmement excitée, mais c'est pas grave.
niveau supérieur. Putain, il m'a mindé, quoi. C'est bon, vous êtes calmé? Très bien. On a un point à mettre. On augmente les dégâts de corps à corps, hein. C'est break, hein. Il faut absolument les dégâts de corps à corps. Oh, un bouclier. Moins bien que le mien, dommage. Combat rifle, attendez. Non, non, c'était bel et bien un fusil d'assaut. Ah putain, c'est du projectile, Marcus. Un grand rack, c'est ça? On va attendre qu'ils arrivent. Allez, viens voir papa, t'attends. Fillette, j'attends. Ouh! Une balle de coup. Une arme, ça? Un fusil de sniper, très bon contre la chair nue. Je le ramasse, mais je l'équipe pas. Ça, c'est un bouclier. Je suis plein. Mais oh, on va te calmer sur ce... Ah oui, il y avait pas des emplacements de sac à dos à acheter aussi. Celui qui se vend le moins cher. Voilà. Et nous, on va équiper celui-ci. Hop. Ça, on a encore plus de boucliers. Donc là, c'est quoi? C'est l'enregistrement numéro 2? Apparemment. D'accord, ok. C'est génial, on n'a pas... C'est normal ou... c'est pas grave. Auto-lock! Jeu de jambes. Alors, le jeu de jambes, je crois que c'était le truc qui était le plus proche. Voilà. C'est parti. On y va. Salut le skag. Non mais lol. Ça va être compliqué. Je suis très très lent quand je vise. Dans le sens où je me déplace lentement. Bon, j'imagine que toi, tu es le fameux scar. J'ai cru que j'avais sauté dans l'immensité du cosmos. Je vais te la mettre. On va se la mettre. Allez. Allez. Voilà. Oh, il est violet qui est tombé. Il est vachement bien. Dégâts du corps à corps plus 100%. Voilà. Ça, je peux pas le ramasser. Votre inventaire est plein. Oui, bah oui, bah oui, mais moi je veux pas m'en débarrasser de certains. Qu'est-ce qui vaut pas un clou? Ça. Ça. Putain, je les ai mis au milieu de mon bordel. Ça, ça vaut pas un clou par contre. La jambe! Voilà, on récupère la jambe. 70, 28, 28, 70. Munitions, c'est bon. Ok, très bien. Dans les poubelles. Rien d'intéressant. Ah, le loot, il est ici. Le loot, il est là. Ça, c'est pas du loot, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Le loot, il est là. Nice! Bon. Ah, oh, ça fait du bien d'y jouer, dis donc. Vivement le 3. C'est tout à moi. 53, ça vaut de l'argent. Ça, 87, ça vaut moins d'argent, par contre. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen que de garder ça pour le moment. Tant qu'on est là-haut, il n'y avait pas une quête qui se faisait dans le coin? Il n'en reste plus qu'une, maintenant. Non, elle est juste à côté. Nice. On y va. On va essayer ce petit pistolet, là. Qui a droit à ses... Son niveau 8. Son niveau 8. Je suis pratiquement à l'arrêt quand je... Non, c'est pas que je suis pratiquement à l'arrêt.
Je suis à l'arrêt. Regardez, je me déplace plus. C'est problématique. À partir du moment où je zoome pour viser. Il y a une espèce de. De lock-on hein, à la visée, encore une fois. Hein. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous savez quoi? Je vais me battre au double pistol. Il le faut. Il le faut, il le faut. Parce qu'il a un super effet élémental. Ouais, ouais. Mon dieu, vous n'avez pas le niveau, que faites-vous ici? On va essayer. Ils sont niveau 9, je suis niveau 8, ça devrait pouvoir le faire. Tu brûles? C'est bête, hein? Ça fait mal, ça. Il brûle toujours? Ah! Ok. Ok. Allez, brûle! C'est l'aide à la visée, je crois, qui me dérange le plus. Ok, je pense qu'on est bon. Plante numéro 2, plus que 6. Y'a pas de loot? Pas de loot. Non, c'est bon. Il me tape, tout va bien, j'ai cru que j'étais coincé. Ok, parce que ça nous coûte, ça nous coûte cher en munitions, tout ça. Hein. Fallait les acheter, ces trucs-là, à l'époque. Mémoire, non? Un peu plus. Plus que 5. Ok. Ok, très bien, on y va. Ok. C'est un crasher qui reste, ouais. Il a de très bons effets élémentaires. Je dois avoir une arme Maliwan là. Mais ça m'étonne, elle a pas le style. Alors, peut-être que c'était pas encore implémenté ça dans le premier jeu. Hop là. Nice. Ok, encore un level up, on est très bon. On est très très bon. Le corps à corps. Il faut que l'ult fasse énormément de dégâts. Et pour ça, il faut que j'augmente le corps à corps avant tout. Même si on l'utilise pas très souvent, faudrait peut-être que j'utilise un peu plus souvent. Je sais pas quel temps de recharge il a en fait, c'est ça le truc. Alors du coup, c'est quoi qu'on a comme arme? Un Maliwan, j'avais raison. C'est vraiment Maliwan qui a les meilleurs effets élémentaires. Après moi j'étais fan des Jacobs. Mais bon, Maliwan est très très bon aussi. Ok, 5 sur 8. Continuons à ne pas avoir peur. Alors là on était en précaution, voilà, précaution pour ça. Vous voyez qu'en un seul coup, il me bouffe la moitié de mon armure. Hein. Je vais essayer de pas les zoomer, ceux-là. Pas les viser. Cette partie en tir au jugé, mais... J'y crois pas trop.
J'avais oublié les détails. Il y avait un deuxième, j'avais pas vu. Ok. Très bien, on a géré. C'est quoi ça? Un Maliwan encore. Est-ce qu'il est mieux que le mien? Non. Mais il coûte de l'argent. Les Maliwan, quand ils sont verts, ils coûtent de l'argent. Ça. Ça. Ah, plutôt qu'on va ouvrir ici. C'est mon truc. Ah, des boucliers. Grande capacité. Et l'autre, un bleu. Bonus de santé max. Eh ben écoute, ce sera pour le bleu. Et vu qu'il est vert, on aura peut-être l'intention de le prendre aussi. Vu qu'on n'a pas beaucoup. On a encore du blanc en fait dans les poches. Encore que celui que j'ai lâché là. Dans le tas, il y en avait un qui valait du pognon. C'était celui-là. Parfait. Très bien. On progresse. C'est parfait. Et je me rappelle plus du tout comment on fait pour augmenter le nombre de munitions. Ainsi que le nombre d'armes en poche. Il y a une... D'accord, une corniche. Je t'ai pas vu. Le magasin dans le nouveau stock, cool. Allez, il faut que ça pop là. Plus. Donnez-moi plus. À cette distance, je peux me permettre de ne pas viser. What? J'ai oublié une graine de chou-fleur là. De clou-fleur, pardon. Autant pour moi. Ok. Et ben voilà l'avant-dernière. Quand j'ai entendu les tambours, je croyais que j'allais avoir affronté quelque chose, mais non, tout va bien. Ah, autant pour moi, tout ne va pas bien. Je reste autour de mes grenades. Ah, mes grenades me font des dégâts. D'accord, ok, très bien. Je saurai m'en souvenir. Ok, j'ai la graine. Parfait. On est bon. On a quoi? On a une minute trente de recharge pour l'ult. C'est pas trop mal. Ah, une SMG. Donc elle fera moins de dégâts forcément, mais regardez la Attendez. La cadence de tir est pratiquement doublée. Elle a deux fois moins d'effet, cela dit. Et un super shotgun Torg. Là, en fait, l'intérêt va être de savoir si on a encore des trucs à pas cher sur nous. 388, 466. 388, c'est moins, c'est plus que ça, pardon. Même si je pourrais récupérer l'arme et prendre ces deux-là. Est-ce que je prends la SMG? Elle a deux fois moins d'effet élémental. Je la prends et je l'équipe. L'autre arme que j'ai, c'est un... Ouais, on va prendre ça aussi. On peut pas l'équiper pour le moment vu qu'on n'a pas. Vous avez trouvé une arme électrique, elle pénètre la plupart des boucliers et possède une certaine probabilité d'y trouver sa cible. Mais merci, merci beaucoup Claptrap. Donc là maintenant on va se rentrer. On va rendre ses quêtes. On va rendre sa jambe à Tikeba. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Vu qu'il se l'est déjà fait bouffer par un Skag. Il s'appelait Scar. Scar est mort, cela dit. Ah! Ressentez ma puissance! Non, il viendra pas, lui. Ok. Très bien. On a vite fait voir ce qu'il y a en termes de... Non. Les Bouncing bêtises, non plus. Wouah, c'est là. C'est là, c'est là. Regardez, les munitions. Waouh, 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 waouh.
Combat rifle, SMG. Oh là 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 là. Ça coûte la peau du cul. Vous ne pouvez pas utiliser ceci. Ok, je les ai tous achetés, je crois. Très bien. Parfait. Je suis pauvre à nouveau, mais j'ai tout acheté. Merci. Hop, direction les Badlands. Plus de joueurs égale ennemi plus coriace. Encore plus d'ennemis. Encore plus ennemis, encore plus coriace égale encore meilleur butin. Logique. Logique, logique. Mais je suis encore obligé d'expliquer ça à des gens dans certains jeux. Ok. Oh merde. Ils sont juste derrière moi, c'est ça. Alors. Ok, ça je prends, je rends pardon. Voilà voilà. Il va être posé au sol j'imagine. Non, j'ai la place. On va vendre des choses parce qu'on n'a pas pensé à les vendre. On va aller verrouiller les deux armes légendaires, on sait jamais. Ça je vais le garder, il est niveau 10. Et ce qui est équipé, forcément, je ne le vends pas. Voilà. Voilà pourquoi j'aimais le Jacobs. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre une grosse partie des munitions. Ok. Cool. On s'en sort bien. Maintenant, on va aller voir à l'autolock. Il va nous permettre de faire apparaître un véhicule. Et ensuite, on va aller rendre notre quête à Tikeba. Et donc, j'étais bien dessus pourtant, on est d'accord. Hein. Ok. Donc, j'aurais dû lire, mais apparemment, on nous a volé notre... un truc, j'imagine. Le module numérique prod. Faudra aller chercher sur le cadavre de Bonehead. Il y en a un derrière moi, c'est ça. C'est ce que je disais. Très bien. Ticket. On a ce qu'il te faut. Tu sens bizarre. T'es pas de ce monde. Ouh, on a un sniper. Alors, LBD Desert Sniper. Et un fusil à pompe, Tickets Wave. Prends la vague, mec. Ok, merci. Merci pour l'argent que tu as à côté de toi aussi. Et cool. Alors, c'est pas que je veux te mettre dehors, ça me fait plaisir de parler avec toi et tout, mais faut que j'aille aux chiottes. Ça urge sévère. Oh merde. Bon, c'est pas grave, c'est passé. Ah, c'est dégueulasse. C'est où qu'il faut que j'aille surtout? C'est là-bas. Ok, très bien. Très bien, très bien. Quel mystère! C'est parti! Bon, c'est pas trop mal ce qu'on a. Peut-être juste changer au niveau d'une une arme secondaire. Oh, les armes qui m'a filé sont niveau 5. Je suis officiellement passé niveau 10? Génial! Ça veut dire qu'on peut remplir ça et qu'on pourra débloquer ça, bien sûr. Après. Tu as un ennemi augmente considérablement les dégâts au corps à corps pendant quelques secondes. Et je crois que ça s'enchaîne en fait. Très bien. On a quelques balles de pompe en plus. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont arriver genre juste là. Voilà. Je prends.
Hop. C'est parti. Je suis à 140 FPS constant, hein. C'est cool. Ok, il va me tuer. J'étais bête. Il brûle. Décède. Parfait. J'ai été... Faut pas qu'il m'agresse. Je laisse brûler un petit peu. Faut que mon armure remonte. Enfin, mon bouclier. Il est un peu lent à la régène. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait... Vache. Qui m'a mis. J'aime pas quand il dit ça. Oui oui c'est ça. Ouais. Non mais je compte pas t'échapper. Il brûle toujours, même pas. Ok, on l'a eu. Ça vaut rien, ces vétérans. Vous voyez, si on en chie, c'est parce qu'on n'a pas un bouclier capable de résister. Aussi bien. À ce niveau-là, tout simplement. Alors, bonne Shredder. Ça plombe l'ambiance. J'adore. Wouh, qu'est-ce que c'est? On tient une figurine de Marcus. De moi. Ah, il y avait des explosifs là, je les ai pas vus. Autant pour moi. Autant pour moi. Ah, nice. C'est que de l'argent. Bon, c'est pas grave. On a un peu plus intéressant en termes d'armes. Peut-être qu'il y en a autour. Et... Non. Il y a des chiottes, c'est important. Mais pas d'armes. À moins que... Non. Ok. Très bien. Et vous voyez, là, on est dans la ville à côté. C'est pour ça qu'on les entend tirer de l'autre côté. Et donc je devrais pouvoir, sans avoir à faire le tour, revenir dans la ville en passant juste à côté. Voilà. Hop là. Et ça ne m'aura rien apporté du tout. Juste, je voulais voir un truc au niveau des grenades. C'est toujours des bouncing. Non, c'est pire encore, c'est des adhésives. Ok. Et Dior, rechargement rapide. Ils ont déjà respawn, mais je vous ai tué, vous et toute votre famille. Le sang va couler. Le sang a déjà coulé, mon ami. Mais ce n'est pas grave. Alors moi, il y a un type de grenade que j'attends et que je cherche, les amis. C'est les grenades transfusion. Coûte pas d'argent, ça. On veut pas.
Ok, mais pas dans Anthem. Par-dessus le pisswash de lit. D'accord. Ok. Baroudeur. Voilà, bonjour voyageur. De nouvelles missions sont proposées au panneau des primes. Faut y aller. Mais baroudeur, ça... En enclenchant la post commission avec F lorsque vous conduisez, puis vous n'êtes pas pour verrouiller la tourelle sur un ennemi. Déclenchez la tourelle en appuyant sur D. D'accord. C'est de la belle mécanique. La mécanique, tu la taquines, elle part au quart de tour. Tu pars pas. Et pied au plancher, hein. Tu vas vite piger pourquoi les gens adorent mes autos. Un truc qui va pas, j'arrive pas à tourner. J'arrive pas à tourner quand je... D'accord. Alors déjà non. Si tu veux, allez. Il est déjà mis malheureusement. Ah, c'est la chienlit. Non, il y a de l'eau en dessous. Je peux pas tourner, c'est nul. Tu me diras. Ah si, je peux tourner en faisant ça. Mais c'est nul. Ah là, ça c'est un problème ça. Ça c'est un vrai problème. J'ai oublié de tourner avec la caméra. Donc c'est un peu nul. Je vais le reconnaître. Hop là. Voilà, on a traversé. La vache, la prochaine fois, préviens-moi. Faut que je vois ça. Commande du portail trouvé. Ah oui, d'accord. Ouais, et bah du coup, ça va pas être très pratique. Ok. Bon, déjà on va aller mettre notre point. Au sens littéral du terme. Mais ouais non, je peux pas tourner. Faudra que j'aille me renseigner là-dessus. Ou alors je mettrai un... Ouais non, même pas, même, même bon, en mettant un bouton. Et si vous reveniez par ici, j'ai un truc chouette pour vous. Ah oui, oui, mais oui, mais du coup... Attendez, je fais quoi là? Je change, parfait, cool. Merci. Ok, vous voyez, je peux tourner comme ça. Je peux pas tourner autrement. Donc bon, c'est compliqué pour viser en même temps. Je vais essayer de tweaker dans les options du jeu, on va voir si je peux faire quelque chose. Ah, il y a vachement de... Ok, des missions secondaires, très bien. Et tu voulais pas me dire un truc, toi, non, non. Je trouverai un type qui s'appelle Shep près du carrefour sur le chemin de la mine. Sledge a écorché vif toute sa famille. Il a tamé leur peau et il s'en est fait une tente. C'est dur, mais Shep est un brave garçon. Je trouverais ça bien que vous l'aidiez. Compte sur moi, Zed. Compte sur moi, compte sur moi, compte sur moi. Je suis occupé de l'entretien de ce matériel médical. Je crois que ça va comme ça. Encore une fois, on fait un petit tour dans les vendeurs. Pas grand chose. Alors, pourquoi est-ce que...
Je m'indique. N'hésitez pas à demander si vous voulez quelque chose. Retournez chez Z, d'accord, ok. Kit d'optimisation sous-cal, augmente le nombre d'armes que vous pouvez équiper. Génial. Génial. Eh oui, je suis au courant, merci. Génial, génial, oui. J'ai infiniment besoin de pouvoir équiper une nouvelle arme. On va équiper ça, c'est pas grave. Je crois que ça va comme ça. Gearbox, j'avais pas fait gaffe. Allez, viens voir ton préfet. Voilà. Bon sang, je suis bon. Oula, je recharge ça. Sledge détient quelque chose dont nous avons besoin. D'accord. Je dois le lui reprendre. Ok. Sledge est un homme mauvais. C'est ce qui est juste. Ok. Compte sur moi. On va peut-être pas prendre cette quête là directement, il y a peut-être d'autres quêtes à faire avant. Lost Cave. Et où ça, Lost Cave? Ah oui, c'est loin. Journal caché. Là, peut-être plus proche, non? Ah ah! Retournez voir les mecs là? Pas de soucis, hein. Bah, ils ont pas respawn, eux. Ça aussi, ça explose, ça, non? Non, très bien. Patricia Tanis, conseillère scientifique pour Dal. Premier jour sur la planète Pandore. Mes supérieurs m'ont affecté ici pour rechercher d'hypothétiques traces d'une technologie non humaine. Cette mission fait suite à la découverte par la société Atlas de technologies d'une civilisation extraterrestre disparue dans des ruines sur Prométhée. Une découverte sur laquelle Atlas a bâti sa suprématie actuelle. Les chances de succès sur Pandore sont extrêmement faibles. Mais quelqu'un les a estimées suffisantes pour m'y envoyer gâcher mon talent. Ça ne fait que 3 heures que je suis là, mais je sens que 43e jour sur Pandore. Enfin, je crois que c'est le 43e que je passe ici. Il est difficile de s'habituer au cycle lunaire. La planète tourne sur elle-même en 90 heures. Les gens qui peuplent ce rocher sont les plus ignorants que j'ai jamais vus. Lorsque je pose des questions sérieuses au sujet de l'Arche, on me répond avec des contes pour enfants où on me parle de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Mes questions les plongent dans un état de stupeur qu'on pourrait prendre pour de l'ivresse ou pour un accident neurologique. État qui les rend en tout cas inconscients de ma présence. Si je croyais en l'enfer... Je crois que j'y serais. Un peu de sang sur les pneus, c'est par là-bas. D'accord. Je l'imaginerais bâti sur le modèle de Pandore. Mais une telle pensée me rabaisserait au niveau de ces hommes de Cro-Magnon. Sympa! Sympa, sympa. Merci beaucoup, madame. Ah. Je me suis cogné dans quelque chose. Je vais découvrir à l'avant-poste. Bonjour. Ça doit être Shep. On va aller voir les autres trucs. Quand même. Ça me semble pas mal. F. Salut. Ok. Je suis meilleur avec les SMG. Cool. Ouais, le charogne. Putain, il est là, lui. Ils sont où? Je les entends, mais je les vois pas. Oh oh. J'adore cette phrase. Ok. C'est pas ultra rassurant, mais... J'imagine qu'il faut que j'ouvre la porte. Ça se marche tout seul quand je rentre. Génial. Ah, d'accord. Comme qui dirait, l'impression que je vais devoir venir ici
pour la mission principale. Pourquoi pas? Mais ok, faut que j'aille au-dessus. Bonjour! Il m'a pas entendu chuter sur des ennemis? Sur des amis, pardon? Comment je monte? Bordel. Ah. Bah c'est pas par là. Tu vas saigner. J'ai une troisième arme. Ça y est. Il va vraiment falloir que je m'habitue au fait que ce soit un projectile. Hein. Ouais. Trois balles dans le chargeur, c'est pas beaucoup. Hein. Cadeau. Nice. On a géré. Il y en a un qui est toujours dans le coin là, mais qui est bugué. Trois. Ah non! Il est là! Ok, j'ai raté mon saut. J'espère. Non? Comment? Oh! Ouais, mais ça me dit pas comment je pensais grimper. Ok, très bien, j'ai réussi. Bon. Un shotgun. Pas terrible, hein. Et un deuxième SMG. Ouais, si tu veux. Allez. Hop, merci. L'enregistrement, il est dans la poubelle. Nous sommes le 76e jour. Je me suis éveillé en pensant que tout ça n'était qu'un cauchemar. Plutôt aujourd'hui, nous avons passé 36 heures à déplacer notre campement pour le rapprocher du site de fouille. Et nous avons été attaqués par des animaux affamés à peine sortis de leur hibernation. La moitié de mon équipe a été dévorée vive par ces skags. Pas. J'ai survécu en me cachant sous le corps d'un collègue qu'un skag déchiquetait. Il s'appelait Karl. Je ne ressens plus rien et je n'ai pas pleuré. Pour être parfaitement honnête, j'ai ressenti une petite joie parce que sa chaise est plus confortable que la mienne. Je l'ai prise d'ailleurs. Et c'est là que j'ai remarqué une lueur étrange sur des rochers du site de fouille. C'est pas glauque du tout. 9e jour. Je suis restée à pleurer dans ma douche pendant presque une heure. C'est peut-être lié au fait que nous n'avons pas d'eau depuis des jours et des jours. Mon hygiène personnelle est déplorable, à l'image de celle de mes collaborateurs sur le site de fouille. En interprétant les symboles et la façon dont les lueurs apparaissent, nous avons établi avec un haut degré de probabilité qu'une civilisation extraterrestre a bien vécu sur Pandore. Mais la fête n'a pas été grandiose, puisqu'il ne me reste que deux collègues, et que je n'apprécie guère Chimay, une fille obèse. Attends deux secondes, je vérifie un truc sur ma carte. Ok. J'ai appris que la recherche scientifique exigeait de l'abnégation, mais je ne le comprends vraiment que maintenant. C'est pas sympa la grossophobie, c'est moche. T'es pas par là, et merde. Tout ce que j'ai à répondre à ça. Ok, première à droite. Hop les. Ok, mon machin est endommagé. Je vais quand même pas mourir pour ça.
Allez. La santé. Aïe. On peut le dire, elle arrive à point nommé. Ah la vache, il m'a eu. Wouh, second souffle. J'avais complètement oublié détail. Vous allez m'avoir, cet enfoiré. Ça s'est joué à rien, hein. Ça s'est joué à rien du tout. Ils sont deux niveaux au-dessus de moi, j'en chie, hein. 172e jour. La fille obèse, Chimay, a été prise sous l'éboulement d'une ruine. Elle n'est pas morte sur le coup et elle m'a supplié de mettre fin à ses souffrances alors qu'elle crachait du sang et de la bile. Nice. J'ai hésité parce que c'était la dernière personne ici, à part moi. Je la voyais s'étouffer, tousser, agoniser. Et je prenais plaisir à cette interaction que je voulais prendre pour une conversation, car je redoutais que ce fût la dernière pour un long moment. Quand je me suis enfin résolue à l'étouffer définitivement, afin de pouvoir reprendre mes recherches, j'ai compris qu'elle le regrettait. Les Skag attendaient ce repas depuis longtemps. Ils n'auront pas faim cette nuit. C'est glauque. C'est tellement glauque. Ok, bon. On va aller se rendre à la base, ou est-ce qu'on se fait une autre... Un peu de sang sur les pneus, par exemple. Victime écrasée. Ah. Ah. Ah mince, si j'avais su. Mince, alors. J'ai vu qu'il y avait des ennemis, là. Ok. Une de plus. Deux de plus. Bah ça avance plutôt bien finalement cette mission. Aïe. Ok. Il nous en reste quelques-unes. Je pense que je suis mort. Maintenir E pour réapparaître. On peut se le permettre, je pense, hein. Tant pis. Je pensais pas que ça arriverait de cette manière. Ça m'a coûté 1000. Putain. Hey, t'es prêt à y aller ? Ouais, je sais pas. Allez en route. Honnêtement, je sais pas si je suis prêt à me reprendre une dose pareille. Une praline pareille. Je ne pense pas être prêt à... De toute façon, il n'y a pas grand chose qui réapparaît devant moi pour que je l'écrase. Saleté. Ah, autant pour moi. Voilà. S'il vous plaît. Très bien. Direction la ville. Je peux pas rentrer. Je me rappelle que je ne pouvais pas rentrer ici. Ok, on a fait les deux quêtes secondaires. On va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. Et on se retrouve dans le prochain pour la suite de nos aventures. Hop. On progresse bien en tout cas. Bientôt le niveau 12. Finalement, Brick, eh ben, il n'est pas si solide. Bon, après ça, quand on l'aura boosté, ça sera encore plus pété, hein. Je sais plus ce qu'il y aura après. Ça peut être intéressant, ça. Mais bon, sur le endgame, non. Ça c'est pété. Ça c'est pété aussi. Ok, très bien. Donc, ce sera ça qu'on fera. Ok.
Et ben moi je vous laisse là les amis, je vous retrouve demain pour la suite des aventures de Brick dans Borderlands. Salut les gens et yop!